celui-là. Maudit femme, Nengueira avec téléphone, c'est quoi? On t'a mis un nana vers une maman. Allô? Je serai étonné. Ça va? Ndé? Ya, yeah, ya, 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 bonjour la famille, bonjour tout le monde. Je voulais écouter la musique de Sayon Kamara. Il y a une dame qui a fait story et puis elle a mis la musique. Ah oui, j'ai kiffé. Moi, la Saramaya, c'est ce qui fait mal aux gens. D'accord. Mes amours, je suis là encore, la maman des pauvres. Bon, vous pouvez encore dire, la maman, je m'en fous, parce que moi, je m'en fous. Tant que je sais ce que je dis, c'est la vérité. Tant que je suis pour la vérité, je m'en fous du reste, quoi. Donc, du coup, mes amours, je suis là encore ce matin. Vous avez vu le titre. Je dis Ousmane Nielle, l'affaire de Ousmane Nielle. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu parce que moi, ma force, c'est Dieu. Ce que les gens oublient, croire en Dieu et penser croire en Dieu font deux. Il y a des gens qui pensent croire en Dieu, ils ne croient pas en Dieu parce qu'ils ont plus peur de leur poste ou ils ont plus peur, je ne sais quoi, faire semblant. Moi, je n'ai peur de rien, je n'ai peur de personne, je n'aurai peur de rien. Mais, je vous ai dit, quand j'aime ou quand quelqu'un m'aime, j'accepte, quand on me parle, j'écoute, j'accepte, c'est ce qui fait moi ma différence. Mais l'intimidation, ce n'est pas moi. Quand Dieu a créé l'intimidation là, je pense bien que moi je t'ai déjà créé depuis, donc ce n'est pas à mon temps. Quoi. Je ne suis pas dans l'intimidation, personne ne peut. C'est seulement l'humanisme, la personne que j'aime, qui m'aime, qui me parle, je t'écoute, j'accepte. Voilà. Donc, mes amours, vous savez ce qui nous différencie. Moi, Fatou, je vous ai dit, je ne suis pas une blogueuse. Je suis née dans la politique. C'est quatre choses que je connais dans ma vie. Le Coran, la prière, égrener, la politique. Chez nous, c'est ça, quoi. C'était ça, le quotidien de chez nous. Matin, midi, soir, tous les jours, du lundi au lundi. Donc, je suis née dans ça. J'ai grandi dans ça. La politique, j'aime. Dans la vie, il faut se sacrifier. Si tu sais ce que tu dis et ce que tu fais, c'est la vérité. Si tu sais que tu soutiens la vérité. Vous savez, les hommes de Dieu, ils auront tout genre de problèmes dans ce bain. Quand on est sincère, appelez, je suis en direct. Qui m'appelle là? Oh. Vous savez, quand on est sincère, il y aura peu de gens qui vont t'aimer. Et c'est seulement les personnes qui sont pour la vérité qui vont t'aimer. Et nous vivons dans un monde d'hypocrites. L'hypocrisie a dominé les gens. Les gens, c'est leur intérêt personnel. C'est pas l'intérêt de la nation. C'est pas l'intérêt même d'un groupe. C'est juste leur intérêt. Et moi, je suis pas dans ça. Moi, je vais vous dire, moi-même, ma mère, elle me connaît pour ça. On est issu d'une très grande famille. On est issu d'une famille polygame. Ma mère est la dernière femme. C'est nous les petits-enfants. Papa a élevé tout genre d'enfants. D'accord? Chez nous, vous savez, dans les grandes familles, souvent, on revenait de l'école, le riz est fini ou la sauce est finie. Donc, quand je reviens, les enfants d'autrui me disent, ah, Fatou, le manger est fini et tout. On veut manger. Achète-nous à manger. Donc, ce que ma mère faisait, comme à chaque fois je revenais, je trouvais le manger est fini, maintenant, elle cachait le riz pour moi. Donc, quand je reviens de l'école, le riz est fini. Elle prend pour moi, elle garde. Donc, quand j'envoie les autres pour aller chercher à manger pour moi, pour nous ensemble, maman me dit, viens. Je viens dans la chambre. Après, elle fait sortir le riz. Ferme la chambre. Ferme la chambre. Faut venir manger. Je dis non. Je dis, pourquoi tu as fait ça?
Pourquoi tu ne fais pas sortir le manger, tu ne donnes pas aux autres? Si c'est fini, c'est fini, on va acheter, ne garde pas le manger pour moi. Je lui ai dit non. C'est ma nature, la franchise, quoi. C'est ma nature. Je dis la vérité. Moi, mon père m'aimait beaucoup. Pourquoi? Parce que ce que tout le monde a peur de dire là, c'est ce que je vais venir lui dire parce que c'est dans son intérêt. Tu aimes quelqu'un, tu ne lui dis pas ce qui est bon pour lui, tu ne l'aimes pas. Tu aimes quelqu'un, tu ne lui dis pas ce qui est bon pour vous. Mais c'est de la démagogie. Moi, je suis créée, c'est ma nature, c'est Dieu qui a mis cette honnêteté en moi. Je ne peux rien contre ça. Chez nous, tout le monde connaît. Quand tu veux parler là, tu me fais comme ça, tu me signales là. Je vais dire non, il ne faut pas me signaler, c'est quoi? Je n'aime pas que tu souris à quelqu'un derrière la personne, tu le tapes. Moi, je ne suis pas dedans. Ce que tu ne dis pas devant la personne, ne le dis pas à son insu. Donc, je ne suis pas une hypocrite, je ne suis pas une lâche. C'est ma nature. Je vous ai dit, moi, il y a 9 ans, ma mère, 9 ans après, elle m'a eu. Toute personne, tout genre de Wali ou je ne sais quoi, partout, papa partait pour des prières, pour que Dieu donne. Il a épousé une shérif Haïdara, une jeune dame. Et moi, je suis la fille d'un vieux. Un vieux a épousé une jolie petite fille qui était très belle, qui est jolie, qui a les cheveux. Vous connaissez les shérifs Haïdara, comme elles sont belles. Donc, 9 ans, elle n'a pas fait d'enfant. Donc, tout son souci, c'était comment cette belle femme va faire, et cette descendante du prophète Mohammed, paix salut sur lui, va faire des enfants pour lui. Donc, il s'est levé, faire tout genre de prières, tout ce qu'il connaissait partout et tout. Donc, 9 ans après, je suis venue. Papa disait aux gens, est-ce que vous connaissez Fatou là? Est-ce que vous connaissez l'étoile de Fatou? Vous qui parlez, vous ne connaissez rien dans le Coran. Vous connaissez c'est quoi moi mon étoile? Et moi, j'étais au courant de tout ce que je vais traverser parce que je sais. Moi-même, quand je dors, je vois les choses. Je sais que ça ne va pas être facile. La peur du cœur, je l'aurai que dans ma tombe parce que je suis une personne de Dieu. Je suis un homme d'Allah. Je vais me faire avec. Donc, moi, je ne suis pas comme vous. Je ne viens pas ici séduire quelqu'un. J'en ai rien à foutre. Je ne veux, moi, c'est moi-même qui ne veux même pas certaines relations avec des gens. Mais, je suis guinéenne, j'aime ce beau pays. Je suis pour la paix, je suis pour l'amour. Je suis pour le rassemblement. C'est pourquoi je me bats, je cherche à ce que les gens de l'IFDG changent leur mentalité. Ils doivent comprendre que la politique et la communauté n'ont rien à voir. La politique et la religion n'ont rien à voir. On peut être des adversaires politiques et non des ennemis. Eux, dans leur tête, c'est des ennemis. Nous sommes leurs ennemis, quoi. Donc, je suis sortie ici hier, avant-hier. Je vous ai dit ce qui allait se passer. Le procès de Niele, normalement, c'était aujourd'hui, non? Je vous ai dit. Je l'ai dit, oui ou non? Vous savez, moi, je ne vais jamais venir ici vous montrer un enregistrement. La dernière fois, j'étais très dessus d'un journaliste que je connais très bien dans le passé. On parlait, je lui disais quelque chose immédiat. Il faut enregistrer la personne. Je dis, moi, je n'enregistre pas. Donc, j'ai vu, même les journalistes, ils enregistrent les gens. Moi, le jour où je vais enregistrer quelqu'un, qu'Allah reprend ma vie, moi, je n'en ai pas. C'est que je ne vais jamais enregistrer quelqu'un venir ici dire. Et je ne vais jamais avoir des informations, venir dire qui m'a donné l'information. Je ne le ferai pas. En politique, c'est la discrétion. Dans tout ce que tu fais, il faut être discrète. Allez, venir dire ça ici. Pourquoi? C'est pourquoi moi, je vais vous taper tous les jours. Parce que je vais garder mes informations. Je ne vais jamais nuire quelqu'un. Personne ne va m'aider et puis je vais te vendre. Je ne vais jamais le faire. Quand un journaliste demande est-ce que tu enregistres quelqu'un, c'est dommage. Les gens te demandent, je ne le fais pas, je ne le ferai jamais. Croyez à ce que je vous dis. Quand je vous parle, et si vous voyez le contraire et puis Fatou a menti, l'exemple est là. Hier et avant-hier, je suis venue vous dire, le procès de Niele, c'était aujourd'hui. Je dis, mais regardez, il y a le manigance, ils sont en train de manigancer. Le procès n'aura pas lieu. Ils vont chercher à renvoyer le procès. C'est fait, oui ou non? C'est renvoyé. Est-ce que j'ai menti? J'ai pas menti. Si le procès avait eu lieu, on est à faire tout ce que tu avais. Mais je vous ai dit, le procès n'aura pas lieu. Ils vont renvoyer le procès Niele. Et ils vont retirer le procès d'Ousmane Niele dans les mains du premier président de la cour. Parce que
La personne qui veut influencer, il sait qu'avec ce monsieur, ça ne marche pas. Lui, il connaît le droit. On va pas l'influencer. Et on dit que lui, il est malinqué. Et l'autre n'était pas peur quand il condamnait lui. Il y a une manigance, je vais vous dire. Je vais profiter de l'occasion, je vais vous dire ici. Nous, les militants et sympathisants du RPG Arc-en-Ciel, il y a un complot contre nous. Dont Colonel Mamadi Doumbouya n'est pas au courant. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui est en complot avec l'IFDG pour déstabiliser, détruire le RPG. Lui-même, il sait que consciencieusement, il a fait du mal au RPG. Le RPG l'ont vu. Ce que les RPGistes pensaient de lui, c'était pas ça. Gars, c'était un monstre. Il a fait semblant d'aimer le RPG. Il a fait semblant d'aimer l'idée du RPG. Il a fait semblant de soutenir les RPGistes. Gars, c'était pas vrai. Il sait aujourd'hui, la personne qui est en complicité avec l'IFDG, il sait aujourd'hui que le RPG Arc-en-Ciel, si demain il revient au pouvoir, il n'aura plus rien ici parce que les gens ont compris qui il est. En quelques mois, les gens se sont rendus compte vraiment, toi tu étais qui? Gars, on vivait avec un monstre, quelqu'un qui était haineux, quelqu'un qui a double face. Quelqu'un qui fait semblant, quelqu'un qu'on ne connaît pas sa position, c'est très dangereux dans la vie. C'est très dangereux pour un être humain qu'on ne peut pas décrire quoi. Qu'on ne peut pas comprendre qui sont ses amis et qui sont ses ennemis. Il faut se méfier de cette personne. Maintenant, ils sont en complot avec, ils veulent aujourd'hui faire comprendre au CNRD, au président Doumbouya, colonel Doumbouya, que moi, je peux gérer l'IFDG. Moi, je peux gérer comme ça. Moi, je vais faire ça. Donc, si c'est fait ça, ils vont sortir. C'est comme ça qu'ils ont fait au président de la République. La personne a fait croire au président, moi, je peux gérer ces loups. Je peux gérer les militants, machin, en lui manquant, pour qu'ils gagnent je ne sais quoi. C'est la même chose qui veut se produire. J'étais là-bas la dernière fois, assis avec une personne. Vous savez, moi, je ne vais pas dire comment j'ai mes informations. Il y a un téléphone déconnecté, c'est un de mes indés, parce que tu écris. Je ne sais pas, comment je vais dire. The Bluetooth device is ready la to pair. Maudit, toi aussi. La dernière fois ici, je vous ai dit, j'étais avec quelqu'un. Il y a une dame satanique qui a dit qu'il est en contact. Il a dit le nom de la personne, que la personne-là, tant que lui, il est là, elle va dire c'est ce qui va se passer aujourd'hui et que cette personne l'a promis qu'ils vont déstabiliser le RPG et c'est ce qu'ils sont en train de faire sans même que le colonel ne soit au courant. Moi j'ai dit ici haut et fort, je le répète aussi, colonel, envoyez cette vidéo à colonel Mamadi Doumbouya. Colonel Mamadi Doumbouya, moi Fatouyé, je n'ai rien contre toi, j'ai mes raisons. Et Alpha, même demain si il sort, je le vois. Je vais lui dire pourquoi je ne suis pas contre colonel Mamadi Doumbouya. Il peut témoigner parce qu'il sait devant moi un jour quelque chose s'est passé. Une autre personne, je ne dis pas, ce n'est pas mon problème. Donc, Mamadi, il a ses raisons de faire ce qu'il a fait. Moi, je suis au courant, je ne prends pas part parce que Alpha, je l'aime, parce que j'aime Alpha. Doumbouya sait que j'aime Alpha. Doumbouya et Alpha, je préfère mille fois Alpha Condé que Doumbouya. Je ne connais même pas Doumbouya, je l'ai jamais vu. Je n'ai jamais parlé avec lui, je ne connais rien de... Je suis en direct. Snap, je suis en direct. Donc, mais je ne vais pas l'attaquer. Pourquoi? J'ai mes raisons personnelles. Colonel Mamadi Doumbouya, il y a un complot qui se prépare contre toi. C'est ici que je vais le dire. Je ne vais pas envoyer Paul ni Pierre. Je le dis ici devant tout le monde, les gens vont... comprendre. Si demain ça se réalise, ils vont dire que Fatou avait dit. Ils veulent déstabiliser le RPG. Nous, vous ne pouvez pas de ce côté. Personne ne peut déstabiliser le RPG. Toi là, tu vas tenter, mais tu ne peux pas. Le RPG t'a tout donné. Le RPG t'a fait de toi quelqu'un, un grand homme quoi. Le RPG t'a fait monter comme ça. Donc tu ne peux rien. Tu vas montrer. Et tout le monde saura qui tu es. Après, quand on va revenir au pouvoir, on va te prendre, te mettre dans la poubelle. Parce que tu ne vas plus occuper au poste ici. Ça, c'est clair. Donc, toi-même, tu es conscient de ça. Donc, maintenant, à ton tour aujourd'hui, tu préfères l'IFDG au pouvoir parce que tu sais, eux, là,
quand ils vont comprendre que c'est toi qui les a aidés, ton complot a marché, ils vont te mettre là où tu veux après. Mais je suis désolée, ça ne marche pas. Moi, j'ai pas, hey, ne vous attendez pas à un enregistrement de moi. Je ne vais jamais le faire. Mais quand je viens ici, je vous parle, croyez à ce que je vous dis. Croyez à ce que je vous dis. Colonel Mamadi Doumbouya, moi, Fatou Nyeloui, nous les Nyeloui, on n'a rien contre toi, on n'aura rien contre toi. On ne t'a pas attaqué, on ne va pas t'attaquer. Je vais te dire, si tu étais mon grand frère de même mère, même père, ce que j'allais lui dire, c'est ce que je vais te dire. Permet le président d'avoir accès à sa famille biologique. Si sa famille politique, tu ne veux pas. Quand sa famille biologique là, a accès, ses nièces ont accès, c'est fini. C'est tout ce que nous, on te demande. Moi, personnellement, c'est ce que je te demande. Et c'est dans ton intérêt. Et demain, quand les gens vont commencer à parler ici, moi, si tu as raison, je vais sortir dire qu'il a raison. Donc, moi, je ne défends pas que... Je ne parle pas pour parler. Non, je ne parle pas pour parler. J'ai pas à séduire. Il n'y a pas quelqu'un que je vais séduire, moi. J'en ai. Moi, aujourd'hui, je peux mettre colle minute dans ma bouche, là, et me taire. Vous savez pourquoi? J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à perdre, en fait. J'ai deux enfants qui ont leur passeport. J'ai mes papiers. Je vais aller aux États-Unis. Je me déconnecte même sur Facebook. Je fais comme si rien n'était. Je laisse les choses partir. Ce qui reste clair, j'ai soutenu la Constitution, j'ai soutenu le premier mandat de la 4e République. J'ai vu Alpha Condé, président, il y a un coup d'État qu'il a enlevé. Et depuis qu'il a été enlevé, j'ai demandé à ce qu'il ait accès, qu'on le libère. J'ai fait ce que je peux faire. Il y a des gens pour eux, à partir du 5 qu'on allait quitter le RPG. Je ne suis pas au RPG pour un cadre. Je ne suis pas au RPG pour un responsable. Je ne suis pas au RPG pour un ministre. Je suis au RPG maintenant, pour moi, d'abord, mes convictions, j'ai vu, c'est le parti, c'est un grand parti. Et je suis RPG pour les vrais militants du RPG. Les personnes qui ont tout donné au RPG, qui n'ont rien bénéficié, mais qui sont toujours là, intactes, qui aiment le RPG, qui veulent revoir encore le RPG. Donc, je suis là pour eux et je serai toujours là. Moi, je m'en fous. Aucun ministre ne peut rien me donner que je ne peux pas gagner. Tous les ministres, moi j'ai toujours respecté les ministres. Je ne partais jamais dans un bureau d'un ministre, à part où le président m'envoyait. Je vous ai dit dans 3 ministères. Les 2 autres, c'était pour envoyer des choses que quelqu'un qui est venu soutenir, il a envoyé, on est allé déposer. Et l'autre ministre, on travaillait sur l'Axe avec les jeunes de l'Axe. Et tous les jeunes de l'Axe là, qui font semblant, qui sortent, qui insultent là, moi c'est pas mon problème. Si on était ensemble dans l'ombre et tout, et puis ils vont sortir, moi ça ne me dérange même pas. Donc, ce ministre a eu, les a vus. C'est pas pour dire de, ah, j'ai envoyé Fatou sur l'Axe. Je ne suis jamais allé dire que j'ai rencontré les jeunes de l'Axe là. Je les ai tous amenés. Le ministre les a rencontrés. Donc, je parle pas pour parler. On n'a jamais pris photo. Je m'en fous. Moi-même, je refusais les photos parce que je ne veux pas qu'ils aient des problèmes. Ils sont pas comme moi. Ils vont pas s'assumer, je sais. C'était juste pour la forme peut-être, mais moi c'est pas mon problème. Et je les ai pas envoyés pour dire adhérer au RPG. Je dis arrêtez la violence. Vous n'êtes pas les seuls Guinéens. Est-ce pour qui vous combattez là? Aucun de ces enfants ne sort pour être avec vous. Moi en tout cas, le combat de mon père là, si je ne te vois pas dedans là, je vais pas le faire. Je l'ai fait dans le passé. J'ai compris que la politique c'est pas jeter les cailloux, c'est pas brûler, c'est les je ne sais quoi. La politique, c'est les échanges d'idées. La politique, c'est comment convaincre les ennemis, transformer les ennemis en amis. Les personnes qui ne t'aimaient pas, tu essaies de les convaincre, tu poses les actes pour que, ouais, ils vont comprendre que ce que nous, on pense d'elle ou de lui, c'est pas ça. C'est ça, la politique. Mais comme vous ne connaissez pas la politique, de passage, je vais vous dire, je vous ai dit hier, Kunduno et Fonike Mangé, merci à vous, je vous dis un grand merci. Vous êtes parti voir Ousmane. Ousmane m'a dit, vous n'étiez pas obligé de aller voir Ousmane et l'envoyer de l'argent. Merci, un grand merci à vous. Je vais vous dire, moi je n'ai rien contre vous et je n'ai jamais eu quelque chose contre vous. Et pour preuve, si vous enlevez le nom FNDC là, dans votre groupe d'activistes là, parce que le FNDC, moi je sais que ça n'a jamais existé, c'était l'IFDG. Aujourd'hui, vous trouvez un autre nom qui est par exemple... mouvement d'une nouvelle génération et où les protégés des faibles, je serai partante de votre mouvement. Je serai partante. Le problème ici, on a compris en vous, c'est pas nous vous détestez, c'est pas la tête de Nyeloué, c'est pas moi ma tête,
Mais c'était la façon de faire de Alpha Condé que vous n'avez pas aimé, d'après vous. C'est comme moi. Je ne veux pas, je n'aime pas la façon de faire de la politique de Selou Dané. Peut-être vous, c'est la même chose, la façon de faire la politique d'Alpha que vous n'avez pas aimé. Vous n'êtes pas allé, Nielo, en tant que ministre de la Défense, qui est sorti, qui s'est attaqué à Kunduno ici. Mais Kunduno sait que oui, Nielo a fait ça parce qu'il s'est dit lui-même ministre de la Défense. Est-ce qu'il était obligé d'aller voir Ousmane l'envoyer de l'argent? Donc moi, ce qu'on ne va pas accepter en République de Guinée, on ne va jamais accepter changer Alpha Condé par Selou Dalé. C'est là le problème. C'est là le problème. Et là, moi, je suis prête à me sacrifier, mourir. Mais on ne va pas accepter, on ne cédera jamais à ça. Changer Alpha pour Selou, jamais. Nous sommes tous pour une nouvelle génération. Quand on était dans le pouvoir, qu'est-ce que j'ai dit ici dans mes directs? Je dis si le FNDC n'était pas IFDG, ils n'étaient pas sous couvert de l'IFDG, tout le monde allait adhérer. Dire à Alpha de partir. Et puis maintenant, tous les vieux personnes là vont partir. Et puis la jeunesse va récupérer. On va gérer le pays. J'ai dit ça. Et je maintiens. On n'a rien contre un changement, une nouvelle génération dans ce pays. Moi, je suis pour. Et je sais que tous les jeunes, moins que les jeunes ethno, qui ne veulent pas voir un autre... C'est qu'une autre personne être président sauf leur demi-dieu qui est Selou, c'est là le problème. Et ça, on ne va jamais accepter, on ne va jamais céder. Donc, je vais vous dire, la justice d'Ousmane Niel, j'ai pas menti. Le procès a été renvoyé pour mercredi. Je vous ai dit, non? Ils ont le premier président a le plein droit. Il a le pouvoir de prendre le dossier. Vous avez entendu la dernière fois ce que l'avocat a dit dans le film? Il dit que non, que pourquoi pas la troisième chambre. Et la troisième chambre, c'est pour mercredi, là. Donc, quand je vous dis pour l'instant, c'est eux qui gèrent la justice, c'est ça. Parce qu'il a dit, je ne sais, I don't know, ou quatrième chambre, ou je ne sais, I don't know. Nous, on n'est pas contre. Ils ont dit la troisième chambre. Ils ont ramené pour mercredi. Il n'y a aucun souci. Nous, on veut juste que la justice fasse le boulot. Et je vais vous dire, le Kanyelo, la justice sera dit. Parce que je sais, c'est les IFDGistes qui sont derrière le dossier d'Ousmane Niel. Maintenant, en complicité avec une personne qui veut nuire le RPG arc-en-ciel, et on ne va pas accepter. Je sais ce que je disais ici. Vous savez, ce n'est pas de voir Doumbouya avec les gens. Mon colonel, écoute-moi très bien. On veut que tu donnes un numéro... que toi-même, personnellement, ou une autre personne, on ne sait pas, on s'en fout, il y a de ces informations, si ça tombe dans la main de certaines gens-là, ça ne va pas servir à quelque chose. Trouve un numéro. Colonel Amara, je ne te connais pas, trouve un numéro. Colonel Amara, commando Faré, colonel, je ne sais comment même, il s'appelle Doumbouya, vous trois là. Trouvez-nous des numéros où on peut vous joindre. Quand il y a quelque chose que le monde vous renseigne, ce qui se passe dans les quartiers, ce qui se dit, c'est très important. Alpha a été pris parce qu'il était en contact avec personne. C'est ce qui a fait qu'il y a eu ce coup d'État, ça a marché parce qu'il a abandonné tout le monde. Tout le monde aussi. Il s'est abandonné lui-même parce que quand tu abandonnes les gens, tu t'abandonnes toi-même. S'il avait accès avant, tout le monde savait. Chacun était libre d'envoyer et d'informer. Donner. Et il faut voir les informations. Tu vois, tu regardes, ça c'est vrai. Non, ça c'est pas vrai. Et tu vas chercher à connaître, est-ce que c'est une vérité? Moi, tout ce que je sors, je vous dis ici, croyez-moi, je suis une musulmane pratiquante. Je vous ai dit, je ne mets pas les ongles. Je peux mettre les ongles. J'ai combien de perruques avec moi? J'ai combien de perruques? Et mes perruques, moi, mes perruques moins chères, c'est 5 millions. C'est de 5 millions, 7 millions, 9 millions. Allergie, ce qu'a dit coiffure à la minière ici. Ma tante chérie, elle est chérie Faïdera. Vu ma mère est chérie Faïdera, je l'appelle maman. C'est là-bas que je paye mes perruques. J'ai combien de perruques avec moi ici? Mais je ne mets pas. C'est pas impressionner qui? Convaincre qui? Je ne mets pas les ongles parce que je prie. Je crois en Allah. Moi, ma force, c'est Dieu. Je n'ai peur de rien et de personne. Je respecte les gens.
Je considère les gens. Mais je n'ai peur de rien, je vous dis. Je dis ce que je pense. Si moi, je dois aller en prison ou je dois être buté parce que j'ai dit la vérité, il faut le faire. Je suis prête à assumer. Ce n'est pas mon problème. Moi, je n'ai peur de rien. Mais le dossier Ousmane Niel, toute personne qui va prendre sa bouche, il met dedans, tu seras vendu. Je vais vous dire, je suis en contact avec tout le monde. C'est quand vous allez me voir dans les différents plateaux ici dans le monde là, c'est là que vous serez très étonnés. Moi, je ne vais pas venir dire ici ce que je... Non, c'est quand vous allez voir là, vous allez comprendre. Vous serez vendus tous, toute personne qui va prendre sa bouche pour impliquer Ousmane, pour qu'il reste en prison. Je ne vais pas te louper, même si tu es qui. Je ne vais pas te louper, c'est ce que je dis. Allez vos bouches dans le dossier Ousmane Niel. Vous avez peur? Parce que vous avez un autre complot avec l'IFDG. Et vous savez, personne ne peut rien contre l'IFDG à part nous, les Niel. C'est là que nous qui pouvons les remettre sur les rails. Là, et puis ils vont marcher comme le train. Et on va le faire. Parce qu'ils sont tous sauf des démocrates. Ils veulent le pouvoir pour se venger. Kounduno Konyelo s'est levé à insulter, attaquer ici. Kounduno va là-bas avec l'autre là. Et comment je vais dire? Kounduno et Fonike Menge, les deux. Parce que ce n'est pas des ethnos. Ils ne sont pas que deux. Mais comme Kounduno n'est pas ethno, et Fonike Menge n'est pas ethno, ils sont allés, ils ont donné, je dis, 500 000 à Nyelo. Moi, ça m'a touché. Moi, je n'ai jamais attaqué Kounduno. Moi, je ne suis pas dedans, je ne fais pas ça. Moi, d'ailleurs, je n'ai jamais attaqué quelqu'un à part. C'est lui et son IFDG. Moi, je connais certains radios privées ici à qui Alpha a tout donné. Ils ont commencé à attaquer Alpha Condé parce que leur intérêt était menacé et parce que le président prenait l'argent, leur donnait à leur chef pour envoyer donner aux autres. Après, le président s'est rendu compte qu'il ne faisait pas, il n'y a que lui qui mangeait. Il a tout bloqué, maintenant il s'est révolté. Déjà, les autres qui étaient là, qui ne gagnaient rien là, se sont mis sur lui maintenant à attaquer le président. Les gens, c'est des démagogues. Moi, je ne suis pas lâche. Hey, ce pays-là, on va cadrer le pays-là. On va mettre les personnes sur les rails. Je suis prête à mourir pour la démocratie. Je suis prête à mourir pour sauver le pays-là. Je suis prête à mourir. Je me suis sacrifiée pour l'honneur, pour sauver ce pays. Je vais le faire. Je ne suis pas une ethno, moi. Je m'en fous de ce que les IFDGistes pensent de moi. Ce n'est pas mon problème, moi. La dernière fois, j'étais quelque part avec des gens. J'étais trop fière. Hier, j'étais avec des Ivoiriens, des Maliens. J'étais trop fière. Moi, je m'en fous d'une communauté de l'IFDG, une petite partie, ils vont parler. Je m'en fous, moi-même je ne les aime pas. S'ils ne m'aiment pas, où est le problème? Est-ce que moi je m'en fous de... Moi, votre amour, ça me sert quoi en fait? Ça m'arrange à quoi? Si moi je veux être avec vous là, c'est d'aller voir votre président, c'est fini. Mais lui et moi c'est à l'au-delà. IFDG et moi c'est à l'au-delà. Je suis du RPG et on va continuer. Donc RPG, colonel Mamadi Doumbouya, il y a un coup contre le CNRD, il y a un coup contre nous les RPGistes, mais nous ils ne pourront pas. Ils sont trop bébés, trop gamins. Personne ne peut déstabiliser le RPG. Le RPG, ce n'est pas les cadres là. Le RPG, c'est les militants de base. Le RPG, c'est les personnes d'Allah qui ont subi tout mais qui ont pardonné. Donc c'est ça le RPG, ils ne vont jamais céder. Nous, nous ne sommes pas violents. Pour ceux qui disent qu'on est allé faire la violence, on est venu devant notre siège. Et demain, si c'est à refaire, on va le faire. Aller dans notre siège, on a trouvé que c'est fermé. Il y avait les gendarmeries qui étaient là, c'était fermé. On n'a pas eu accès. Donc, on s'attendait. Fallait ouvrir le siège, voir. Pour ceux qui disent qu'on est trois, on est deux, on est un. Je dis, même si c'est une seule personne qui était partie, on allait dire merci à la personne-là. Parce que il a représenté le RPG. Ça ne veut rien dire. Nous, ce n'est pas le nombre de gens qui comptent chez nous. Ce n'est pas l'individu qui compte chez nous. C'est le parti qui compte chez nous. Partout, il y a un RPGiste. Nous, on sait que tu représentes le RPG. Donc, nous, on est fiers. Il fallait ouvrir le siège, voir le monde qui allait venir. Moi, c'est quand je suis venue, j'ai fait le direct. Les talkies ont commencé de parler. Ils sont venus maintenant.
ils nous ont gazés parce que du moment où j'étais là-bas, là, il y avait combien de personnes en direct? 3000 et quelques. Les 3000 et quelques là, ceux qui ne sont pas là, et puis les gens venaient. Tant qu'on était venus pour ça, ils allaient attendre qu'on parle, on demande. Et mon colonel, je vais te dire, pour l'amour de Dieu, permet le présent, il a accès à sa famille. Nous, c'est tout ce qu'on te demande. Le reste là, il y a eu coup d'état. L'opposition t'a applaudi. Ils sont pour le coup d'état. Ils sont contents, d'accord. Nous, il n'y a aucun souci, on accepte. C'est la volonté de Dieu. Mais nous aussi, à notre tour, libère-nous le champion, tu lui donnes accès à sa famille. On va demander à la CEDEAO. On n'en a pas les 6 mois. C'est nous les Guinéens, jamais. Tu es là pour 5 ans. 3 ans ou 5 ans. Tu vas nulle part. Alpha était la personne qui n'est pas bon. Alpha n'a pas amené courant. Alpha n'a pas fait soit petit. Alpha n'a rien fait. Alpha c'est ça et ça. D'accord. Mais nous, la personne qui est tout ça là, nous on l'aime. Nous on l'aime. Nous on a besoin de lui. Le pouvoir, d'accord, c'est fini, il n'y a aucun souci. Mais il a plus que le pouvoir. On a plus que le pouvoir sa vie. Maintenant, ce qui nous préoccupe, c'est sa santé. Et qu'il a accès à sa famille. Qu'on ne le prive pas de ça quand même. Le reste là, mon colonel, tu peux rester. Toi qui es bon là, toi le Doumbouche de IFDG là, toi le libérateur là, toi le champion des champions là, nous aussi autres du RPG Arc-en-Ciel à qui on a retiré, suturé le pouvoir là, on dit tu ne pars pas, tu vas rester pour 5 ans. Soutenir une transition ne veut pas dire que tu as trahi ton parti politique. Moi, je vais demander, je dois aller à Siguiri pour voir l'homonyme d'Ousmane Yeloi. Je vais voir les militants de base. Je vais les expliquer. Soutenir une transition ne veut pas dire que vous avez trahi le RPG. Ça n'a rien à voir. Pour la paix. Mais on n'est pas prêt d'abord pour aller aux élections. Comme Alpha ne peut pas là, toi qui peux là, reste. C'est tout. Et tu restes. Je préfère Doumbouya que les gens de l'IFDG. Il y a un problème, il y a un coup contre Doumbouya. Je ne vais pas venir dire qui m'a dit, comment j'ai mes informations, qu'est-ce qui se passe, je ne vais pas le faire. Je vous ai dit ici, hier, je dis qu'ils vont, ils vont renvoyer le procès de Ousmane. Ils vont retirer avec le premier président. C'est fait ou pas? Vous pensez que je suis bête, je vais venir m'asseoir ici, vous montrer ou enregistrer quelqu'un, je ne le ferai jamais. Si je le fais, quand là, il reprend ma vie. Quand quelqu'un m'appelle, je... Moi, il n'y a même pas d'enregistrement. Wallahi billahi tallahi. Mon iPhone, il n'y a même pas d'enregistrement. Je n'enregistre pas. Je ne suis pas là pour ça, pour détruire. Moi, je vais construire, arranger. Le président peut témoigner. Et je n'arrange pas pour que tu cherches ce que j'ai arrangé pour toi. Ou j'ai dit ça au président. Ou... Non, 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 je ne te dis même pas ce qui s'est passé. Mais je dis au président ce qui est bon pour lui. Je l'ai fait. Je n'ai pas besoin de venir vous prouver quoi que ce soit ici. Hey, moi, je ne suis pas n'importe qui. Hein. Et je me suis engagée dans un combat noble. Je vais aller jusqu'à la fin. Je ne vais jamais reculer. Je suis pour la paix, pour la démocratie, pour la réconciliation. Je ne suis pas contre. Que les fils de ce beau pays soient unis. Mais on ne va pas accepter que, eux là, la communauté FDG, tant que ce n'est pas eux qui sont au pouvoir, il n'y aura pas de paix, quoi. Si ça va, si il y aura la paix là, s'il y aura la stabilité, s'il y aura je ne sais quoi, il faut que ce soit leur demi-dieu qui est seul. Seul n'est pas le seul Guinéen. Nous sommes désolés. On ne va jamais accepter de changer Alpha Condé par Selou Dalé. Vous allez nous voir, nous aussi, devant vous. On refuse. On refuse. Donc, personne ne peut nous intimider. Ton coup est démasqué. Et mon frère, fais attention parce que je te suis de près. Je te suis de près. Moi, mon problème, c'est avec l'IFDG. Même si c'est Grampé qui était à la place de Doumbouya, je n'aurais rien contre Grampé. Tout mon problème, c'est celui de l'IFDG. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont prêts à prendre l'argent, qui donner à certaines personnes parce qu'ils pensent qu'eux, ils peuvent avoir le pouvoir facilement avec les gens-là. Aujourd'hui, ils sont riches, ils sont là en train d'arnaquer les commerçants, les opérateurs économiques. Hey, j'ai toutes les informations. Je ne vais pas vous dire comment j'ai les informations. Et j'aurai toutes les informations. Et vous serez tous dépistés.
Parce que votre plan, ça va échouer. On va resserrer les rangs dans le RPG. On va soutenir, accompagner la transition. Et en disant à la communauté internationale et communauté nationale, la CEDEAO, s'ils peuvent dire quelque chose là, ils n'ont qu'à demander à ce que le président de la République a accès. Au lieu de parler d'une autre élection, dont il y a 5 ans maintenant qui restent, ils n'ont qu'à le dire alors de ramener l'ancien président, ou non. Parce qu'il n'y a que... C'est qu'ils oublient une chose. Il n'y a que l'IFDG. Moi, personnellement, je faisais partir. On était contre ce monsieur avant même qu'il ne soit président. On a décidé, si Alpha, ok, maintenant tu es président, mais on ne va pas te laisser faire quelque chose. De 2010-2018, je vous ai dit, il y a eu 527 manifestations que moi j'ai participé. Peut-être il n'y a que les 27 que je n'ai pas participé. Il n'y a pas ce que je n'ai pas fait. On a décidé, tu as eu le pouvoir, mais on ne va pas te laisser travailler. Vous avez vu comment les manifestations... Dans la semaine, il n'y avait que 2 jours de boulot dans les 5 jours. Il n'y avait que lundi, mardi, le Guinéen travaillait. Mercredi, on dit ville morte. Jeudi, on dit marche. Vendredi, on dit aller enterrer les morts. Je vous ai dit ici, c'est pourquoi ils veulent me manger. S'il y a des morts, s'il y a 3, 4, on dit il y a 10. Que vous avez une fois vu, sinon quelqu'un qui va à l'enterrement, pourquoi si celle nous partait à l'enterrement, pourquoi il ne rentrait pas dans le cimetière là-bas, là, aller enterrer? Pourquoi il s'arrête au rond-point là-bas pour faire un discours? Est-ce que c'est le lieu de faire un discours? Pourquoi pas à la morgue faire là-bas le discours et aller rentrer? Parce que il y avait des choses, ils venaient là-bas. Ils s'arrêtaient parce que, vous savez, les gens n'accompagnaient même pas les corps. C'est celles qui les accompagnent. Donc, partout où celles s'arrêtent là, c'est là les gens vont s'arrêter. Et les quelques personnes qui ont organisé les coups là. Je suis la fille du père fondateur de l'IFDG. Je connais ce qui s'est passé. Maintenant, les autres vont rentrer. Ils vont enterrer les 2, 3 corps. Les autres 7 caisses là, c'est des vides. C'est de ça qu'ils ne veulent pas qu'on parle. C'est pourquoi ils sont acharnés contre nous, les Nyeloué. C'est pourquoi ils veulent nous manger. C'est pourquoi ils veulent nous tuer. Aujourd'hui, quand je meurs ici, c'est l'IFDG et par la complicité de quelqu'un aujourd'hui qui est notre ennemi numéro 1. Moi, je n'ai peur de rien. Même si je vais mourir, le monde saura c'est quoi, à cause de quoi je suis partie. Donc, ils ne veulent pas ça. C'était ça parce que dans notre tête que... Plus il y avait de morts, plus la communauté internationale allait venir nous enlever Alpha Condé et nous installer chez Loudalé. C'est ça, rien d'autre, les gens veulent me manger. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas eu de morts. Je ne vais pas dire ça. Mais il y avait plus. Quand il y a 3, on dit il y a 10, il y avait les caisses vides. Et ils veulent me manger pour ça. Moi, je m'en fous. Hey, I don't give a fuck. Moi, vous n'allez pas m'intimider. Vous qui vous disiez IFDG là, aucun, c'est que. Aucun secret. Vous ne connaissez rien de l'IFDG. Tout ce que vous connaissez là, c'est de venir allumer votre téléphone, raconter. Je suis ça, je soutiens celle-là, je suis de l'IFDG. C'est tout ce que vous connaissez. Vous ne connaissez rien. Moi, j'ai toujours été dans le terrain, sur le terrain ici. Je sais. Dans 527 manifestations, comment est-ce que quelqu'un, malgré tout ça, le président Alpha Condé a pu se battre? Il n'y a plus de bougies en Guinée. Il n'y a plus de crassines en Guinée. Il n'y a même plus de torches en Guinée. Il y a le courant. Et sans le courant, on ne peut pas parler de développement sans le courant. Parce que c'est s'il y a le courant qu'on peut avoir des usines. Dans les autres pays développés, pourquoi se développer? C'est parce que s'il y a les usines, les gens travaillent dans les usines. Donc il fallait d'abord investir sur ça. Et aussi investir sur les hôtels. Parce que si tu as un investisseur, tu n'as pas où le loger. Comment il va venir? Quel qu'en soit quoi, la première des choses d'un voyageur, après son voyage, c'est où il va rester, dormir, se reposer. Si on n'avait pas d'hôtel, comment est-ce qu'ils vont venir? On a vu à l'investiture ici, 2010, les chefs d'État qui étaient venus, mais ils sont venus passer la nuit au Sénégal. Le matin, ils sont tous montés dans l'avion pour venir parce qu'il n'y avait même pas où les loger. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, dis que je ne t'aime pas. Mais ce que tu as fait, reconnais encore ce que la personne a fait. Reconnais les bons actes que la personne fait. Vous n'aimez pas Alpha. D'accord. Mais vous ne pouvez pas dire qu'Alpha n'a rien fait dans ce pays. Vous ne pouvez pas nous dire ça. Moi, je sais que nos plans, c'était ça. C'était comment empêcher Alpha Condé. Mais malgré tout ça, comme c'est un homme de Dieu, Dieu l'a aidé.
il a pu faire ce qu'il a fait aujourd'hui. Dans un an ici, le courant, il a pu réaliser soit petit. Vous avez vu les écoles, vous avez vu les immeubles, vous avez vu ce qu'il a fait. Vous, votre développement, c'est de développer vos ventes. C'est de prendre des millions, vous donner là, Alpha à travailler. Il va plus, personne ne va le faire. Allez-y dans les autres pays. Vous comparez les autres pays à notre pays, mais vous ne comparez pas. Nous, on ne se compare pas aux gens-là. Le boulot qu'ils font, les gens sont complexés d'aller travailler. Tout le monde veut faire un boulot. Les gens veulent aller travailler que dans les bureaux. Tandis que moi, les États-Unis, je dis que je connais, il n'y a pas plus de 20 ou 30% qui travaillent dans les... Tout le monde se cherche. Les plus belles femmes aux États-Unis, quel boulot elles font là-bas? Les gens s'en foutent, ils calculent même pas ce que la personne fait. Qu'est-ce qui est ton boulot et tout. Les gens s'en foutent, personne ne calcule ça. Il suffit d'avoir juste de l'argent dignement. Mais si les gens sont comportés, vous comparez les pays, vous ne vous comparez pas vous-même. Comment les gens gagnent leur argent là-bas? Quand quelqu'un prend 10 dollars ou 10 euros, il te donne. Toi-même, tu sais, là-bas, c'est par heure. Donc, il a sacrifié une heure pour te donner ça, pour que tu manges. Quelqu'un te donne 5 dollars. 5 dollars, tu fais, calcule l'heure. Les 10 ou les 15 dollars par heure qu'il a fait, il a fait combien d'heures pour te donner, pour que tu manges? Tant que vous ne changez pas de mentalité, vous les JFDGistes, tant que vous ne changez pas de comportement, tant que vous ne laissez pas votre idée, non, non, il faut que ce soit nous cette fois-ci, il faut qu'on a le pouvoir, il faut que nous, on a. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Votre comportement ne va jamais vous donner le pouvoir. La haine, la rage, regardez quand Nielo a été arrêté, là, vous avez applaudi ici. Kunduno qui l'a attaqué, il est allé, et Fonike Menge sont allés lui voir, lui donner de l'argent parce qu'ils ne sont pas haineux. Et il n'y a pas que les deux, il y a d'autres, mais il y a les deux qui ne sont pas haineux là, c'est eux qui sont partis. Ils n'ont pas la haine. Les gens même ont peur de dire que ah, parce que je suis allé voir Nielo, ça peut me créer des problèmes. Aujourd'hui, je vais vous dire le RPG arc-en-ciel. Il y a un coup, ils veulent finir parce qu'ils savent que Nielo, c'est un génie. Nielo, c'est un champion. Seul le sait, mon papa l'avait dit, que le petit, là, quand tu cherches à avoir des coups de poing avec ce petit, il va te faire tomber. Il n'est pas n'importe qui. Il a le même homonyme que Ousmane Gawal. C'est des hommes qui ont des étoiles. Donc, tu ne peux pas. Maintenant, eux-là, ils passent là-bas maintenant par quelqu'un. Parce que vous savez, en Guinée, ce qui fatigue les gens, dès qu'on te voit dans le rang d'un gouvernement ou on te voit proche du président, quand tu prends ton téléphone pour intimider, les gens vont penser, ah, automatique, ah, peut-être c'est Doumbouya, hein? Peut-être Doumbouya est au courant. Donc si je ne le fais pas, actuellement, c'est eux qui ont le pouvoir, ils veulent, je vais perdre mon poste et tout. Laisse le dossier d'Ousmane Nielo si tu veux avoir la paix avec nous. Si tu veux avoir la tranquillité, laisse Nielo. Nielo va rentrer de nouveau l'IFDG ici. Si c'est de ça, vous avez peur. Il ne faut même pas avoir peur. Sur la vie de mes enfants, la tombe de mon père, Nielo ne va jamais s'attaquer à Doumbouya ici. On ne va jamais s'attaquer à Doumbouya. On ne va pas faire plaisir à qui que ce soit. Mais IFDG, on va les rentrer matin, midi, soir, que ça vous plaise ou non. Ils n'ont qu'à nous laisser. Et parce qu'on sait, ils veulent déstabiliser encore de nouveau. On ne va pas accepter. On ne va pas accepter. Donc si moi, je veux parler, je veux dire la vérité, je veux dire ce que je connais. Hey, est-ce que vous me connaissez? C'est quand vous allez me voir bientôt dans les différents plateaux. Moi, c'est moi qui refuse d'aller dans certains plateaux ici parce que je sais que c'est des journalistes militants. Il y a des journalistes ici. 80% des journalistes guinéens, c'est des militants. Leur position n'est pas cachée. C'est pas des démocrates. Tant que leur intérêt est avec toi, voilà, ils ont peur d'être attaqués, ils ont peur de dire la vérité. Et c'est très dommage. Un journaliste ne doit pas avoir un ami même. Tu dois être là pour les pauvres. Tu dois être là pour les personnes faibles. Tu dois défendre les faibles, défendre la vérité. Mais ils ont peur. Ils veulent quelque chose. Moi, ce n'est pas parce que tu me nourris que je ne vais pas te dire ce qui est bon pour toi. Si moi, je t'ai lâche là, j'allais avoir peut-être tout avec le président. Mais je refuse, je l'ai toujours. Aujourd'hui, je suis très fière là où il est assis. Quand il s'assoit, il va dire, Fatou m'a jamais menti. Allez-y demander à Mamoudou Kouroussa, le petit de Waraba. Quand j'étais aux États-Unis, parce que lui, on parlait, je lui ai dit, je dis, Alpha va partir. Je dis, Mamoudou, Alpha Condé a dit, wa. Je ne quoi a dit, wa. Pourquoi? Pourquoi? Bessini, Albraya, ya kelanyami.
Alpha Mondo et Alpha Trophée, Alpha Mandagne, RPG Mandagne. Il est en complicité aussi, complot avec les gens de l'IFDG. Il est en comme ça avec ses loudalènes. Il fait semblant, tout ce qu'il fait là, c'est de conduire le vieux dans l'horreur. L'IFDG est fatigué parce que pour atteindre quelqu'un là, l'IFDG seul ne pouvait pas. Hein. Mais il fallait eux aussi qu'une personne qui était là, à qui le président avait vraiment confiance, moi je sais, je peux témoigner ça parce que ça se faisait devant moi plusieurs fois. La personne là était comme ça avec ses loudalènes. Donc la personne a profité de ce que tout ce qu'il savait que quand le président fait ça, le président va tomber. C'est ce qu'il disait au président de faire. Il a fait que le président a écarté tous les RPGistes. Le président a écarté tout le monde. Le président, personne, même quand tu l'appelais, il te demande pourquoi tu l'appelles. Moi, il ne l'a pas fait avec moi, mais il le faisait avec certains ministres. Il a changé, personne n'avait accès à lui. La Guinée nous appartient tous. À un moment donné, quand c'est trop, c'est trop. Je dis, Mamoudou, ce que le président fait à l'heure là, c'est pas bien. Et puis c'est pas le président, nous aussi nous sommes là. Si moi je sors aujourd'hui pour parler, les gens vont se lever et m'attaquer pour dire, ah nous on vous a dit, eh, c'est une arriviste, elle n'aime pas comme ça. Parce que je dis, moi je n'ai pas de poste, je n'ai pas de décret, je m'en fous de tout ça, je n'ai rien. Même si j'avais ça aussi, je vais dire ce que je pense. Je dis, quand tu aimes quelqu'un, il faut lui dire ce qui est bon pour vous. Ne lui dis pas ce qu'il aime entendre. Moi je raccroche le président Alpha Condé, je vous dis ça. Je bloque son numéro, je mets sur envoi. Oui, il est humain, je suis humain. C'est mon papa, il est le président de la République, mais à un moment donné, il n'est pas le président devant moi, il est mon papa. Donc ce qui n'est pas bon, je lui dis. Je lui dis, arrête de raccrocher les gens, écoute les gens, Baïdi peut témoigner. Donc si vous pensez que tout ce qu'Alpha a fait là, non, non, il faut que c'est béni, oui, oui, non, 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 si c'est pas bon. Un jour, je vous ai dit, cela, j'étais dessus. Quelqu'un, tu te reconnais? Le président, j'étais avec la personne. Eh? Quand le président l'a appelé. Mais quand il a fini d'abord de parler, tu te reconnais, je suis désolée, je ne vais jamais dire ton nom. Mais, il dit, monsieur le président, ils m'ont appelé pour me dire que vous êtes un génie, vous êtes ça, vous êtes ça, vous êtes champion, vous êtes ça. Vous avez lu un discours. Sans papier et sans lunettes. Est-ce que ça, ce n'est pas de démagogie? Quelqu'un qui a lu un discours sans papier, est-ce qu'il a besoin de lunettes? J'ai fait comme ça à la personne, je l'ai regardé. Après, il me fait comme ça. Il a coupé et dit, c'est ce qu'il aime. J'ai vu, on est très mal barré. Et que la personne, là, le président, le croit. Même quand lui, je sais, quand lui, il crache, là, il dit au président de manger, il va le faire. Maintenant, c'est des personnes comme ça. J'ai mal à la tête. C'est que j'ai toujours mal à la tête. Des personnes. C'est que quand je pense à tout ce qui s'est passé, des malhonnêtes qui ont emporté le président dans l'horaire là, ils sont là aujourd'hui. Tout va bien avec eux. Des lâches. C'est dommage. C'est triste. Awadumbuya, fais attention pour ne pas avoir ce que le président a eu. Pour ne pas qu'on vienne te dire ce que tu as envie d'entendre. Il y a un complot, je vais te dire, qui est contre vous là-bas. Là. Ils veulent te nuire. Fais attention, Dumbuya. Je ne vais jamais te dire c'est qui ou quoi. Fais attention à toi. Il y a quelqu'un, il sait aujourd'hui, tout RPG a vu qui il est. Il est en complicité avec l'IFDG. C'est la même chose que la personne a fait avec Papa Alpha Condé. Il était en complicité avec Sello. Il était en contact avec Sello. Il faisait croire au président que non, moi je peux gérer Sello. Hey, c'est être lâche. RPG, resserrons nos rangs. Donnons-nous les mains. Méfions-nous de certaines personnes. Moi, j'ai des sources, beaucoup sûres. Et je suis dans les sources là aussi. Donc, je suis de près tout. Je suis de près tout. Je n'ai pas besoin de poste ici. Je suis américaine. Je vais partir étudier. Mais je suis pour la démocratie. Je suis pour soutenir. Je dis FNDC, changez votre nom. Kunduno. Comment je vais dire? Kunduno. Kunduno et puis Fodikemenge, trouvez un autre nom qui n'est pas FNDC. Je serai avec vous.
pour défendre la vérité. Ne soyez pas dans l'esprit, je ne sais qui la personne qui a raison, c'est que la raison, la soutenons la vérité. Et soyons pour la jeunesse. Laissons les vieux pères là. Laissons les personnes âgées là. Donnons-nous les mêmes pour nous, les jeunes là. On va voir une Guinée unie ici. Il faut que nous, les jeunes, on se donne les mains. Mais ce n'est pas en complicité. En fait, moi, je n'aime pas le sous-couvert, quoi. Le semblant. Tout le monde sait que le FNDC n'a jamais existé, c'est l'IFDG. Moi, j'ai compris ça où c'est quand il y a eu deux manifestations parce que leur demi du Seloudalé n'était pas là. L'autre, il était en France, ça a été reporté. L'autre, il était au Sénégal, ça a été reporté. Je dis, ah non, ça, ce n'est pas le FNDC, c'est l'IFDG. Et moi, je connais IFDG comme ici. Si vous avez vu, ils ont dit 5 ans que Nélo ne parle pas sur Facebook. Si vous avez vu, ils ont dit 2 ans d'emprisonnement ferme pour injure publique qui n'a rien à voir avec menace. C'est parce que dans leur tête que... Mais vous n'avez rien compris. Le droit sera dit dans le dossier Nélo. Toi, le complice là, enlève ta bouche dans le dossier Ousmane Nélo si tu ne veux pas être exposé dans le monde entier. Je suis prête à me sacrifier pour le cas d'Ousmane Nielou. Je suis prête à mourir, je suis prête à aller en prison. Moi, je m'en fous, je n'ai peur de rien et de personne. Toute personne qui ne vient pas dans notre route pour nous provoquer, on ne va pas te provoquer. J'ai dit, et puis je répète encore, je dis, colonel Amara, tu rassures le peuple de Guinée. Même quand on voit tes yeux, on voit en toi un homme pardonneur, un homme rassembleur, un homme qui est juste. Je ne connais pas Doumbouya. Quand tu vois un Doumbouya, tu ne vois pas un homme qui a la haine. Les yeux de Doumbouya, c'est un homme qui aime écouter certaines personnes. Mais tu vas laisser ça, mon frère. Tu vas écouter ton cœur et la population. Le populisme, là, tu n'en as pas besoin. Tu peux tellement t'installer ici, même après, aller enlever la tenue, revenir, mais ça dépendra de toi. Et ça, c'est en évitant les personnes qui vont te faire croire qu'ils peuvent gérer l'IFDG pour toi. C'est faux. C'est nous qui pouvons gérer l'IFDG. Et on va gérer l'IFDG, ce n'est pas à cause de toi. On va les mettre sur les rails. Ça, c'est un contrat jusqu'à la fin de nos jours, jusqu'à ce que celle-là va laisser la politique. Je dis bien. Donc, personne ne peut nous parler. On ne le fait pas pour toi. On ne le fait pour nous et pour le peuple de Guinée conscient. Donc, tu n'as même pas besoin de populisme, colonel Mamadi Doumbouya. Commando Farai, je ne le connais pas, je n'ai jamais parlé avec lui. Mais quand tu vois l'homme là, tu vois, il rassure. Et nous, RPG là, on n'a rien contre vous. Les gens sont fâchés, oui, c'est normal. Être fâché contre quelqu'un, c'est normal qu'on se fâche contre vous. C'est normal, vous êtes venu prendre le pouvoir avec nous. D'accord. Maintenant, on vous demande une seule chose. De prendre soin du président et donner l'accès à sa famille. C'est fini. Nous aussi, on dit à la CDAO, moi, Fatou Nielo Diallo, militante du RPG Arc-en-Ciel, la championne des championnes, je demande à la CDAO de nous donner le temps. On n'est pas prêt. C'est à nous, les Guinéens, de décider. Et d'ailleurs, à nous, les personnes à qui on a récupéré le pouvoir, on dit qu'on n'est pas prêt que le CNRD organise maintenant une élection. On n'est pas prêt. On veut qu'il reste 3 ans ou 5 ans. C'est une vérité. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas normales. C'est vrai. Il y a beaucoup de choses dont Alpha n'était pas au courant. Les personnes qui étaient censées aider Alpha Condé, ils sont là en train de manipuler. Il ne connaît pas. Il est dans son palais, c'est pas tout. Il connaît. Il a eu confiance à des gens. Donc c'est à eux de faire le boulot. Et malheureusement, les gens là, beaucoup d'entre eux, c'était des traites. Ils se remplissaient que les poches. C'est des traites. Ils ne sont pas bien, ils ne sont pas gentils. Maintenant, on veut qu'on éduque tout le monde. Même moi, Fatou Nielo, éduquez-moi. Si dans des comptes vols ou je ne sais quoi là, si je fais partir là, appliquez la loi sur moi. Appliquez la loi sur tout le monde. On est d'accord. On ne veut juste pas deux poids, deux mesures. C'est ça, on ne veut pas. Mais pour l'instant, on est sur deux poids, deux mesures. Pour l'instant, vous favorisez la communauté IFDG. Pour l'instant, vous nous faites pleurer, nous.
Pour l'instant, tant que et puis, tant que Celuda ne sort pas de son dictine là-bas, là, parce que là-bas c'est l'État, vous avez eu le courage de faire sortir une dame, vieille dame qui a tout donné à ce pays, même pas le parti RPG, Hadjanantou Sherif, une vieille, une femme à respecter. Vous avez eu le courage de la faire sortir. Il faut avoir le courage d'aller faire sortir ce loudale. Mais moi, devant moi, il y a une dame satanique qui a dit que celle ne va pas quitter la maison parce que je ne sais en quoi de quel colonel. Je veux savoir c'est quel colonel qui est ministre de la justice, quoi. Hé, hey, nous, on s'en fout. Moi, je n'ai pas peur, go. Vous allez comprendre que moi, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à perdre. Mais le droit, là, la vérité, même ma mère, je ne laisse pas. L'injustice, je suis contre. Je vous ai dit, quand elle me fait rentrer dans la chambre de manger, je dis non. Je dis, ne fais pas ça. Et ma mère. Et après, elle a compris. Donc, elle faisait plus. Elle prenait le manger et donnait. Quand je viens, il n'y a plus de manger, on achète. C'est ça, la vérité. Dieu m'a créé. C'est que c'est Dieu qui a installé ça. Moi, je préfère laisser chez nous. S'il y a partage, c'est à moi, on donne. Parce que si ça doit manquer, c'est mon côté qui va manquer. Je suis juste, je suis humble. Donc, colonel Mamadi Doumbouya, il faut faire beaucoup attention. La preuve aujourd'hui, le procès de mon frère devrait avoir lieu. Depuis hier, je suis sortie vous dire les manigances. Il y a quelqu'un qui a pris son téléphone pour intimider. Vous voulez que je vienne dire c'est qui? Il a intimidé, qui il a dit quoi? Je suis désolée, mais le manigance là, toi qui as promis à l'IFDG que Nielo va rester en prison, il ne va pas rester en prison. Il ne restera pas en prison. Si vous voulez, au compagaï là, toi là, tu as la chance même. Tu as la chance. Pour le respect de colonel Mamadi Doumbouya que je ne connais pas, mais que je sais, tu as un autre coup. Vous avez d'autres coups là-bas, là aussi, contre le colonel, contre le CNRD. Parce que vous voulez tout simplement déstabiliser après que dire que non. Mais ça ne marche pas. RPG, soutenons la transition. Je vous dis, croyez-moi. Je ne vous mens pas. Il y a des choses qui se préparent. Donc, refusons. N'acceptons pas qu'on perturbe la transition. Nous sommes plus forts que n'importe qui dans ce pays. Je vous dis, il y a un coup contre nous, le RPG. Tout ce qui se passe là, c'est pour déstabiliser le RPG. C'est pour nuire le RPG. Donc, faut pas, n'acceptons pas de rentrer dans leur jouet. Je suis au courant de tout et je serai au courant de tout. Parce que là où je suis là, personne ne sait comment je sais ce qui se passe. Et j'ai tout. Et puis, je suis... faut même pas que je parle, quoi. D'accord? Donc, maintenons notre position. Resserrons les rangs, soutenons la transition, la durée là, 3 ans ou 5 ans. Le jour où le colonel va s'annoncer pour leur chronogramme là, la CDAO, moi je vous dis, demandez à colonel Mamadi Doumbouya de donner accès à sa famille. Le reste là, vous nous laissez gérer les choses. Vous nous laissez gérer les choses, nous sommes Guinéens, on va gérer les choses ici. Je vous prie, la CDAO, pour l'amour de Dieu, nous sommes Guinéens. Tout ce que nous aussi autres, à qui on a retiré le pouvoir, qui sont du RPG, un parti comme le RPG, nous demandons juste de dire au colonel Mamadi Doumbouya de donner accès au président de la République de sa famille biologique. C'est fini. Le reste là, laissez-nous, nous aussi on soutient la durée d'une transition de 3 ans à 5 ans, c'est nous qui le disons. Oui? C'est ça la vérité. Donc, mes amours, c'était pour vous dire ça, pour vous dire que je ne mens pas. Mes informations, ce n'est pas des fausses. Je suis venue vous dire que le procès n'aura pas lieu. Ils vont changer et récupérer le dossier dans les mains du premier président, envoyer, donner à qui, je ne sais quoi. Colonel Mamadi Doumbouya, je te suggère de prendre ton téléphone, dire à la justice de dire le droit sur le dossier Nielo. Que même si c'est Amara qui appelle, ou Commando Faray, ou je ne sais qui appelle là-bas, parce que quand ils vont recevoir des appels des gens, ils peuvent avoir peur. Colonel Mamadi Doumbouya, je ne te demande pas d'aider, de t'impliquer pour aider qui que ce soit, mais je te demande de dire le droit, ils n'ont qu'à dire le droit dans le dossier d'Ousmane Nielo, c'est tout ce que moi je te demande. Que qu'ils n'ont, même si c'est qui les appelle pour les influencer, de ne pas prendre l'appel de qui que ce soit, de ne pas prendre ça pensant que c'est toi qui les a envoyés.
Parce que c'est ce qui s'est passé. Influencé. Je sais ce que je vous dis. Donc, la personne, colonel Mamadi Doumbouya, la personne qui gère le dossier d'Ousmane, il n'a qu'à être juste ou elle n'a qu'à être juste. Elle n'a qu'à dire le droit, c'est tout ce que tu demandes. Tu n'es pas là pour faire du mal à qui que ce soit. Ni RPG, ni l'IFDG. Nous sommes tous des Guinéens. C'est ta responsabilité de réunir les Guinéens. Tu es venu, il y avait une quoi, déchirer quoi entre nous là. D'accord. Maintenant, tu ne peux pas faire plaisir aux autres et nous faire pleurer. Il y a quelqu'un qui est là en train de tout faire pour que Nielo reste en prison. Pour son intérêt lui-même, parce qu'il sait, si Nielo sort de la prison, il ne pourra plus maîtriser ce qu'il dit là, non, IFDG comme ça, Nielo va les remettre sur les rails. Et il va les mettre sur les rails. Donc, contribuez encore. Hein. Cherchez, allez-y chez vous. Marabout, allez-y encore, continuez de faire tout pour que le petit meure en prison. Mais il ne va jamais relâcher. Jamais. Donc, vive le RPG arc-en-ciel. Vive la démocratie. Vive la paix. Et vive les 3 ans ou 5 ans de transition en République de Guinée. Je vous aime. Donc, ceux qui m'ont appelé pour dire que je suis arrêtée, je ne suis pas au-dessus de la loi. Mais je suis prête à être arrêtée parce que je dis ce que je pense. Je dis la vérité. Je n'ai pas menti. J'ai dit ce qui s'est passé. J'ai même pas tout dit. J'ai juste pris un peu. Parce que c'est pas tout qu'on vient dire ici, quoi. Voilà. On ne dit pas tout ici. Quand tu veux ici, là. Quand tu veux ici, c'est là que tu dois demander. On dit tu es fou, tu es malade, ils vont dire on va te donner. S'il y a d'autres qui vont dire ah, toi tu es fou, on te donne là. Toi, c'est là que tu voulais, tu as eu. Donc dans la vie, il faut être stratège. Il faut savoir ce que tu veux dans la vie. Moi, ne regardez pas mon âge. Là, dit là, il est le nom de Rasulallah. Moi, mes amis, c'est les vieux, les Raymori. Mon père et ses amis. Moi, c'est avec eux. Donc, je suis petite de l'âge. Mais ici, là, je dépasse beaucoup. Ma génération ne peut même pas se comparer. J'ai les mêmes idées que les anciennes personnes là, quoi. Mon père et ses amis. J'étais ça. Moi, c'était eux, mon staff, mon groupe. Donc, nous ne sommes pas les mêmes. Hein. Faites attention. Je vois de loin. Je ne viens pas convaincre quelqu'un ici. Dire. C'est ce qui vous fatigue. Ce n'est pas tout ce qu'on connaît qu'on dit ici. On ne dit pas tout ici. On ne doit même pas dire certaines choses. Donc, faites attention à ce que vous dites. C'est tout ce que je dis. N'importe quel juge qui va prendre le dossier d'Ousmane, faut dire le droit dans le dossier Ousmane. Ne pas, parce que quelqu'un vous a appelé et vous le voyez derrière Doumbouya, vous pensez que ça vient de Doumbouya pour vous maintenir, pour ne pas que vous partiez en retraite ou pour vous faire quoi. Dites le droit dans le dossier Ousmane. Sinon, c'est une honte parce que je ne vais pas me laisser faire dans le dossier Ousmane. Du moment où je sais, je suis à 100%, je sais qui sont derrière le dossier. Je vais aller dans tous les plateaux du monde, Africa 24, France 24. Je vais aller m'asseoir avec tous les documents de la justice parce que j'ai dit à mes avocats de faire tous les lots là, de photocopier mes données. Je vais les faire passer à France 24, partout. Le droit sera dit dans le dossier Ousmane Nielo. Donc, c'est un problème, vous pensez. Le problème Nielo est là. C'est le moment de mettre fin à ça. Sinon, ça risque de dégénérer, je vous dis. Parce que je ne vais pas me laisser faire. Du moment où je sais qui sont derrière le cas de mon frère, je ne me laisserai pas faire. Je vous dis haut et fort. Et je n'ai peur de rien, de personne. Je suis prête à recevoir une balle tout de suite. Oui. Oui, oui. Et je vais dire à la communauté nationale et internationale, je ne suis pas en sécurité en République de Guinée. L'IFDG, je suis menacée par l'IFDG et par la complicité de certaines personnes. Oui. Donc, vous, CNRD, vous avez le droit de me protéger dans le pays. Là. Quand quelque chose m'arrive dans le pays, là, vous, CNRD, là, vous êtes des militaires, votre droit, c'est de protéger tout le monde. Donc, quand quelque chose m'arrive, vous aurez votre part de responsabilité. Donc, il faut veiller à ce que l'IFDG et je ne sais qui, que rien ne m'arrive, qu'on ne me bute pas. Moi, je n'ai pas peur d'aller en prison. Et j'ai dit, la communauté nationale et internationale, quand je meurs, c'est l'IFDG. Mm-hmm. C'est l'Oudalène, son IFDG.
esprit et par la complicité d'une autre personne. Et vous avez le plein droit, vous, CNRD, de me protéger. Je suis là, je vais quitter votre pays bientôt parce que pour l'instant, les gens savent. Je suis fatiguée. Je vais rentrer. Il y a ma fille qui doit aller à l'école. Là où je l'ai laissée, la personne doit déménager. Mais le droit sera dit dans le dossier Ousmane Yele. Le droit sera dit dans le dossier Ousmane Yele. Sinon, je ne vais pas me taire et je n'aurai pas peur et on va dénoncer. Donc laissez-moi. Je vous ai dit, quand Dieu créait l'intimidation, là, moi je t'ai déjà créé de peu. Donc il a créé ça à mon insu. Moi, ma force, c'est Dieu. Je crois en Allah. Je n'ai peur de rien et de personne. Je n'ai peur que d'Allah. Donc IFDG, je m'en fous de vous. Je ne veux ni d'imam chez vous. L'imam de chez vous, bah. Le miezem, bah. Le menuisier, bah. Le kiba de chez vous, qui est tout ce qui est IFDG, moi, je n'en ai rien à foutre. Je ne veux rien de vous. Donc, votre amour, je m'en fous même. Je ne veux même pas que vous m'aimez. Même ceux qui sont dedans, là, qui m'aiment, là, je vous prie de retirer l'amour, là. Ne m'aimez pas. Ça ne change rien dans ma vie. Ça ne va pas m'empêcher de manger ou de dormir. Moi, du moins où les patriotes sont conscients de ce que je fais, c'est le plus important. Je ne suis pas une ethno, moi. Je ne fais pas le combat d'une communauté. Je ne vais jamais le faire. Je vais faire un combat noble pour tous les Guinéens. Donc, c'était ça. Je vous aime, mes amours. Vous avez vu, c'est ça. Je suis venue, vous avez tout expliqué, je pense. Donc, le procès, ils ont dit encore, je ne sais, que c'est mercredi. Attendons de voir aussi s'il n'y aura pas de coup de fil de je ne sais qui, quoi, pour dire non, il faut le maintenir en prison. Vous avez le document de Nielle. Vous ne pouvez pas lui apporter une liberté provisoire. Hi. Quand le petit là va mourir en prison, vous allez répondre. Vous n'avez rien compris. Nielle, c'est mon âme. Nielle, c'est ma vie. Nielle, je vais mourir. Je préfère. C'est qu'ils vont sauter mon corps. Je vais mourir pour que ça là, je laisse passer. Donc, laissez, ça ne marche pas. Je n'ai rien à vous prouver ici maintenant. Donc, les patriotes, je vous aime. Le RPG, resserrons les rangs. Le RPG, le moment venu, je vais faire un appel pour le soutien d'Ousmane Yele. Attendons de voir. Si la personne-là arrive à reçu son coup, là, pour maintenir Yele, je vais faire un appel. Comme ils veulent pagailler, là, on va pagailler. Donc, je vous aime. Bisous, bonne journée, bye!